Exactement, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Dans la dernière vidéo, c'était le spécial Halloween. Aujourd'hui, on sera comme d'habitude un tuto rapide sur mon village. Ensuite, une reprise de vidéo, mais une défense par exemple. Avec une attaque, puis on va aller voir un cristal 3. S'il est encore là, bien sûr. Oui, il est encore là. Bon, commençons. Dans la dernière vidéo, on avait fait les deux caissons, qui étaient les principales. Pour ça, je vous disais qu'il me restait des remparts. Des remparts, oui. Et j'ai fait ça pour faire une question à vide. Pourquoi? Car je... Vous voyez mon élixir noir? Je le protège. Ma forêt, c'est volontaire, mais ma réserve d'élixir noir, c'est volontaire. Aussi, puis, vu qu'il est sorti du milieu, j'ai mieux le protéger le plus possible. Ce qui veut dire, si... Ils n'ont pas le choix d'attaquer par là. Sinon, c'est trop facile par là. Mais j'ai eu deux attaques. La première c'est par ici, en premier, puis ensuite là. C'était une catastrophe. Celui-là. 73%. Et la deuxième c'est une reset. Il a attaqué ça. J'ai perdu 22 trophées, j'ai gagné 22 trophées. 20 trophées plutôt. Excusez-moi. Donc vous voyez, j'ai fait des remparts. C'est comme des remparts. Si on va là, en mode édition, on voit que la ligne est pas mal. Tout le long. Pourquoi? C'est simple. Oups. C'est simple, c'est que le temps que les autres attaquent. Le temps que les autres se rendent au village, les troupes auront le temps de s'éteindre. Bon. C'est pour cela. Bon, on va voir la reprise de vidéo avant. Ça c'est la reset. Vous allez voir un peu c'est quoi. Chris Andy, le village Chris Andy, mais ce qu'il fait. C'est que. Il dit c'est un village anti-cochon. Je sais pas pourquoi il dit ça. Je pense pas que c'est un village anti-cochon. Vous voyez, il attaque surtout sur. Une troupe qu'on déclarait. Oui, le dragon. Mais c'est pas le dragon qui a fait tout le travail. Ce n'est vraiment pas le dragon. Car c'est surtout mes mortiers. Pour ça, vous allez pouvoir voir. Ça prouve vraiment. L'efficacité de du village. Vous voyez, il reste pas mal chaud. Oui, je me suis fait attaquer par un cristal 3. Bon. Comme on va. On va. Sony Digital Z2. Il est dans ma ligue, puis je l'ai vu tout simplement. Ouh, ça fait un peu détruit, mais pas assez. Mais pas assez. Pour faire la vidéo sur lui.
Commençons. On voit tout de suite, c'est mortier. Ils sont dehors. Très vulnérable. Lui, il y a une tour de l'enfer. PC3 RKX, ils sont bien placés. Défense aérienne. 1, 2, 3 là et 4. Ils sont très bien placés quand même. Ils recouvrent la majorité du village. Ah oui, c'est le tour de Tesla. Tesla niveau... tour de Tesla niveau 8. Quand même. Son caisson central et la réserve d'électricité. Il doit avoir des pièges là sûrement. Ah non, il n'y a pas de pièges. Qu'est-ce que je dis là? Son roi des barbares, c'est un des archers. Oui, il y a des pièges, par exemple. C'est trois archers et caserne. Ça, c'est le caisson central. Suivi de d'autres caissons. La tour de l'enfer, il peut. Et hôtel de ville niveau 10. Tour de sorcier. Bon, tout tombe sur le même place. Ce qui veut dire, ce point-là est plus vulnérable que ce point-là. Deux canons à pas faire. Deux canons. Ce qui veut dire, ça amène que ce coin-là, c'est la place vulnérable. Puis ce coin-là, c'est le point fort du village. Ici. Réserve là et j'ai oublié de dire que c'est un mode formé. Bon, c'est pas grave. Comme je peux dire, si tu m'écoutes et tu écoutes les vidéos, ça change de place. Sauf il serait un peu à refaire le village. Les mortiers rentrent les 1, 2. Tour d'archer. Un peu plus dispersé. Mais il serait quand même amélioré. Si on dirait, c'est fait un peu au hasard. Moi, j'allais au hasard à la dernière vidéo pour faire mon village, mais pas aussi hasard que ça. Je savais juste pas comment le faire, puis j'ai décidé de faire un village comme ça. C'est déjà tout pour ce village. Waouh, que je n'ai plus rien à dire. J'ai tout dit déjà. Bon, mais vraiment, qu'est-ce qui serait à changer, ça serait les défenses. On va commencer à attaquer. La dernière fois j'attaque, la vidéo 13, c'est du temps. Puis c'est dépassé le temps, mais là on ne va pas dépasser le temps. Ça j'ai déjà fini. Bon, un certain temps, il y a beaucoup d'hôtels de vie niveau 9 ou 10, beaucoup. Même 8, j'attaquerai même pas ça. De le port, il n'y a pas ce trophée disponible. Il y en a des autres de vie niveau 8, Crystal 3, même il y en a des plus hauts aussi. Hôtel de vie niveau 7. Ce trophée, est-ce que je l'attaque? Ça me tente pas de l'attaquer. Puis quand on monte aussi, on remarque que les hôtels de vie niveau 7, ils montent plus. Pas qu'ils montent plus. Qu'est-ce que je dis là?
On peut remarquer qu'il y a plusieurs des villes d'hôtels de ville dehors du village. Réseau niveau 7. 8 inclus. Il y en a qui se risquent, ils sont protégés. Ils sont pas non protégés comme que je les veux. C'est ceux que on veut le plus farming, c'est hôtel de ville niveau 9 et 10. Si on pogne un hôtel de ville niveau 9 ou 10 farming non protégé, village non protégé, j'attaque quand même. Bon, j'attaque. Ah! Vous avez pas vu ça? Ah! Je me fais détruire. Ah, je me fais détruire là, lamentablement. Complètement. Comme je m'essaye. Ah. Disons que je suis plus avancé que je suis moi-même. Pour le fun, je vais aller chercher un peu d'élixir noir. À un moment donné, j'en ai vu un à 5000 élixirs noirs. C'est sûr que je n'ai pas de trophée, c'est quasiment impossible pour moi. Je n'avais pas utilisé rien d'autre. À quoi ça me tente pas d'être en gaspiller tout simplement. J'ai quand même eu mon bonus car j'ai eu une étoile. C'est ce que j'ai essayé d'éviter un peu. Et ça serait déjà fini. Mais je vais vous montrer la première attaque que je me suis faite. Ok. Être là. J'ai attaqué ce level-là, ce qui m'a attaqué. Mon truc qui est là. Là, on se déclenche ça. On se coupe ça. Bon. Ça a été violent. Vous savez, été vraiment violent. Non, peut-être pas autant. Je trouve qu'ils ont. Il n'y a pas utilisé énormément de troupes, malgré qu'ils en aient utilisé pas mal. On a déjà commencé par en haut aussi. Tout doit démonter ça. Non, pas. J'étais dans ma réserve. Mes 5 XR noirs étaient dans ma forêt. Ça, c'est qui s'est passé durant la nuit. Ça aussi durant le deuxième, ce que vous avez vu, c'était. Ça a été durant la journée. Aujourd'hui, on est dimanche 19 octobre 2014. Ouais, ça rien d'être ou un par contre, tout fait longtemps. Et qui a gaspillé son sort pour rien que
Elle était même pas dans le cercle de guérison. Wow. Plus d'étoiles, je me suis détruit là complètement. Désolé, il y avait un poil. Vous avez vu ça? Ça serait déjà tout pour aujourd'hui. Oh, on va revenir sur les villages de Dudu. Le Dudu. Tant qu'il y a être. Il a changé son village pour moins. Voilà son village. Beaucoup mieux. L'hôtel de ville est là. Canon. Un autre canon. Un autre canon. Au 5. Nous 4, nous 1, oh, ça serait amusant. Et son hôtel de ville, il vient de l'augmenter. Ça serait amusant. Tout amélioré au maximum. Incluant les remparts. Mortier très bien situé, au beau milieu. Qui augmente les difficultés des attaquants. Château clan, c'est bien. Tour d'archer, c'est bien. Quand on est en bas, c'est juste plus difficile un peu de faire des traits, de faire un village. En ce moment, il est bon. Je peux pas rien dire d'autre. Je sais, son point fort. Son point fort serait ici. Oui, même si tu détruis ça, des archers, c'est pas grave. Si tu mettais des canons, puis une tour d'archers, là, qui bombarde, plus ton un mortier, là. Ah, ça, c'est le point faible. Enfin, ici, ça serait le point faible. Ou tu détruis le canon. Tour d'archers, avec tes archers, tu détruis ici, détruis le canon. Mais t'as rien d'autre qui t'attaque pour le moment, avant que tu rentres, là. C'est à peu près cette partie-là. Le plus faible, ici c'est la partie le plus fort. Puis où c'est le gros rempart? Mais ça, il était niveau 3 dans pas longtemps. La dernière fois j'ai vu. Regardez. Oh, je suis rendu à 12 000 électrons. Oh, je pensais même pas que je serais assez haut que ça. Les 505 772 or et 296 832 élixirs. À part si je me trompe, comme des fois. Non, c'est vraiment ça. Moins les troupes que je vais faire former. Là, on est en une saison, il reste. Oui, je vous ai pas dit ça. Quand on a une ligue, il y a une saison de 2 semaines, de 14 jours. Il reste 7 jours et 7 heures pour ça. Dans 7 jours, que vous êtes dans 8 jours exactement, je vais redescendre à Or 2. Pardon. Parce que il faudrait que j'améliore mes affaires un peu. Comme mes casernes noires sont niveau 1. Je voudrais améliorer niveau 2 pour avoir des chauves-chères de cochon. Au moins. C'est pour cela. Maintenant, ça sera vraiment tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et merci à tous.